C'était vraiment chaud en fin de semaine. Je pense que les piscines étaient vraiment nos meilleurs amis. Hein? Tout le monde en a profité pour se tenir au frais, faire des activités qui n'étaient pas trop astreignantes et surtout se baigner. Ça rafraîchit. On a une situation qui est typique de chaleur pour le Québec en été. C'est quand on a un anticyclone qui se retrouve près de la côte est américaine, puisqu'autour de l'anticyclone, les vents tournent dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord. Ça pige toute la chaleur et l'humidité du golfe du Mexique et ça balaye ça jusque chez nous. On a connu ça dimanche. Lundi, on avait encore beaucoup de chaleur qui s'était installée et même mercredi, on était encore aux prises avec ça. Il faudra attendre un petit peu plus tardivement dans la semaine pour voir ça se dissiper un peu puis qu'on ait un petit répit. Côté température, il y a d'ailleurs des records qui ont été battus. Hein. D'abord, un record dimanche qui a été battu, nombre de records et des records relativement vieux. Là. On parle de records là, qui datent de 1970, de 1947, même du côté de Québec. Lundi, on a remis ça encore, des records qui ont été battus de 1954 dans le sud du Canada. Alors, ça vous donne une petite idée là, de la situation avec toute cette chaleur qui est pompée vers chez nous. Il va peut-être falloir s'y habituer un petit peu. Je vous explique. Selon les Nations Unies, enfin selon le GIEC, qui est l'organe de scientifique des Nations Unies, ça va devenir de plus en plus chaud à cause de nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il va falloir s'habituer de plus en plus à avoir ce genre de conditions-là. Ce qu'on estime, c'est que si on ne fait rien, voici ce qui va se passer. On va se retrouver d'ici la fin du siècle avec des températures qui seront similaires à ce qu'on connaît à New York. Pour l'instant, notre été, ça, ce sont les températures moyennes en tenant compte des minimums de nuit et des maximums de jour pour les mois de juin, juillet et août. Et à New York, c'est la même chose. Vous voyez qu'il y a une différence de 3 degrés de plus à New York. Donc, si on ne réduit pas nos émissions de gaz à effet de serre, bien, malheureusement, on va se retrouver dans une situation où on aura de plus en plus de chaleur. De plus en plus de chaleur, oui, mais aussi de plus en plus de maladies qui peuvent arriver du sud. Par exemple, la maladie de Lyme qui est transportée par des tiques. Bon, en moyenne, entre la moyenne de 71 à 2000, était assez limitée au sud du Québec, quoiqu'on a eu quelques cas du côté de l'Estrie. Mais dans le contexte des changements climatiques et du réchauffement, bien, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de secteurs du Québec qui pourraient être aux prises avec cette maladie de Lyme. Je vous parle de maladie, je vous parle de chaleur, ça c'est une chose, mais il faut surtout comprendre que dans le contexte des changements climatiques, c'est un problème économique qu'on aura. D'ailleurs, les scientifiques veulent qu'on ne monte pas la température, enfin qu'on continue de baisser nos émissions pour pas que la température monte à plus de 2 degrés. Pourquoi? Parce que si la température monte à plus de 2 degrés sur la Terre, on va connaître des problèmes à s'adapter économiquement. Et ça, les gens, ils pensent pas beaucoup. On pense à chaleur, on pense à inconfort, mais on oublie que ça a des répercussions sur toute notre économie. Une des raisons importantes pour lesquelles il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. El cambio climático es el desafío más apremiante que enfrenta la humanidad. La evidencia científica indica que la tendencia en el aumento de la temperatura del planeta se atribuye en gran medida a la actividad humana. Los impactos del cambio climático ya son una realidad en las ciudades, donde se genera el 70% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Además, sabemos que hacia 2050, cerca del 80% de la población del mundo vivirá en otros centros urbanos, por lo que la batalla contra el cambio climático debe iniciar en las ciudades. De no tomar acciones ahora, las consecuencias podrían ser catastróficas para el medio ambiente y se afectaría en gran medida la calidad de vida de todos los habitantes del planeta. Afortunadamente, podemos evitar que estos escenarios se vuelvan una realidad. Cada vez son más las ciudades del mundo que han asumido el compromiso y la responsabilidad de tomar acciones concretas para hacer frente a este reto. Más de 600 ciudades que representan a cerca de 500 millones de habitantes en el planeta se han comprometido a mitigar las emisiones de contaminantes responsables del cambio climático. Debemos repensar el modelo de desarrollo de las ciudades hacia un desarrollo verdaderamente sustentable, que además contribuya a reducir inequidades sociales y promueva la equidad de género. Invito a las ciudades del mundo, a los ciudadanos, a trabajar juntos por un futuro sustentable, resiliente y bajo en carbono. Estoy convencido de que con acciones locales podemos alcanzar metas globales y lograr un mundo mejor para nosotros y para las siguientes generaciones.